Huitième leçon, les obligations de la prière. Elles sont au nombre de huit. Premièrement, toutes les formules Allahu Akbar, hormis la première. Deuxièmement, dire Sami Allahu liman hamidah, Allah entend celui qui le loue pour l'imam ou pour celui qui prie seul. Troisièmement, dire Rabbana wa lakal hamd, notre Seigneur, à toi la louange pour tous. Quatrièmement, dire Gloire à mon Seigneur l'immense, Subhana Rabbi al-Azim, dans l'inclinaison. Cinquièmement, dire Gloire à mon Seigneur le Très-Haut, Subhana Rabbi al-A'la, dans la prosternation. Sixièmement, dire Rabbi ighfirli, Seigneur pardonne-moi, dans l'assise entre les deux prosternations. Septièmement, le premier tashahhud. Huitièmement, l'assise pour le premier tashahhud. Remarque importante, il est obligatoire de dire Gloire à mon Seigneur l'immense, Subhana Rabbi al-Azim, en ces termes dans l'inclinaison. Ensuite, il est recommandé d'y ajouter ce qui a été rapporté comme autre formule.